Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de vous rapporter les dernières news qu'on a eues concernant Ninja Tribes, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour le Discord FR, pour la page Twitter et la page Facebook. On a tout créé. On va bientôt avoir un site Naruto Ninja Tribes, très bientôt. Il y aura bientôt également les recrutements des nouveaux modérateurs. Donc je vous invite à cliquer sur le lien sur le Discord pour un maximum de nouveautés, vu que tous les leaks, toutes les dernières news du jeu sont là. Même avant que les préinscriptions dans le Play Store Jap, US et Canadien apparaissent, on les avait eu déjà un jour auparavant. Quasiment 2 jours auparavant. Donc, je vous invite tout simplement à venir nous rejoindre sur le Discord et on va directement commencer les news. Donc, ah oui, juste avant de commencer, voici la page Twitter Naruto X Boruto Ninja Tribes. On compte déjà 800 membres, enfin 800 followers. Le Discord, je vous montre tout de suite. Donc voilà, on est à peu près là. On est 150 membres. Plus ou moins 150. Donc venez en masse. Il y aura bientôt le recrutement des modos. Recrutement de pas mal de choses. Il y aura pas mal de posts, pas mal de mises à jour concernant le Discord. À part ça, on va parler des news. Des news, donc là, on va fermer ça. Donc, concernant la page officielle de Naruto X Boruto Ninja Tribes, qu'est-ce qu'on a eu pour le moment? On a eu, en l'espace de ces 2-3 derniers jours, depuis qu'ils ont repris leur page respective officielle. Donc, on commence directement avec cette petite news, si vous ne suivez pas. Nous n'avons pas été en mesure de vous tenir au courant du jeu depuis un moment et nous vous attendions. Désolé. Bon, ça on le sait. Ils étaient très peu actifs, voire pas du tout, depuis le 24 décembre 2019. Donc c'est énorme, ça fait quasiment 3 mois, enfin plus ou moins 2 mois qui sont pas là. À partir de maintenant, nous publierons à nouveau les informations sur le jeu sur ce Twitter et nous vous le dirons. Veuillez attendre la sortie et attendez un peu plus longtemps. Donc, on va aller sur BlueStacks parce qu'il faudra utiliser un émulateur, faudra utiliser un VPN comme je vous l'ai montré dans mon ancienne vidéo pour se préinscrire. En attendant qu'ils créent les serveurs globaux si ça se dit, globaux. Donc, pour se préinscrire, vous téléchargez KiwiVPN. Avant de télécharger KiwiVPN, vous créez un nouveau compte Google. Où vous allez pas mettre votre numéro de téléphone. Précisez pas votre numéro de téléphone, sinon vous allez être localisé. Par la suite, vous téléchargez KiwiVPN, vous vous mettez sur le Japon. Vous mettez sur le Japon. Ah, attendez. Ça charge, ça charge, ça charge. Voilà, là je suis sur le Japon. J'avais déjà un compte auparavant. Donc là, je vais aller sur le Play Store, sur émulateur. Ça va marcher, voilà. Et annuler enfin, préinscription. Regardez, se préinscrire. Nous vous avertirons lorsque le jeu sera disponible. Vous voyez, ça marche. Donc pour le moment, le meilleur VPN, c'est celui du Japon. J'essaie avec US. Ça marche, mais pas tout le temps. Donc, je vous conseille d'utiliser le japonais le temps qu'on ait l'APK du jeu. Donc, on va fermer ça. Ou non, on va le garder après. Donc, on continue les news. Là, ils nous ont montré l'animation. On remonte. L'animation de Naruto et Boruto. Bon, on a déjà vu, donc on s'en fout un peu. Celle-là, je vous l'ai présentée la semaine dernière sur mon Twitter. Là, ils vont bientôt mettre l'éveil de Naruto.
Bon, on attend de voir les news. Ça remonte à hier. Ça également, ça remonte à hier. Ça, c'est l'artwork avant l'éveil, avant l'amélioration du personnage, avant l'évolution. L'attaque combinée de Sarada, Mitsuki et Boruto. Et on termine avec le message épinglé qui date du 26. D'ailleurs, nous, on avait déjà le truc le 25. Donc, ça va nous montrer ça. Comme je vous ai montré, il a été mis à jour, etc. Pour App Store, comment se préinscrire sur App Store? C'est simple. Vous mettez votre compte iOS ou Apple, je sais pas c'est quoi exactement, sur Japon. Et vous pourriez vous préinscrire ou sinon sur US. Pour l'App Store US, ça marche bien d'après les retours que j'ai eu. Donc, on ferme ça. On va aller sur Facebook. Donc, dernière news qu'on a eu. Là, par contre, ils n'ont pas fait beaucoup de news. Depuis le 23 janvier, vu qu'on l'a déjà vu. Alors, préinscription sur Apple Store et Android. Enfin, sur iOS et Android. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est plutôt cette news-là. Cette news-là, qu'est-ce que ça veut dire? On va aller sur le Naruto Trails. Bon là j'ai fait un petit zoom, donc j'allais sur l'autre Naruto Trips parce qu'il avait fait la traduction, mais en soi on s'en fout, je peux vous traduire directement. Donc nous vous attendons, nous vous remercions pour nous remercions tous nos fans de supporter, de pouvoir supporter, de continuer à supporter le jeu Naruto X Boruto Ninja Trails. Le jeu, excusez-moi, le jeu sera bientôt en livraison, enfin va bientôt être disponible aux États-Unis, au Canada et au Japon. Pour les fans qui se trouvent dans les autres régions, dans les autres pays, soyez rassurés, le jeu sera bientôt disponible dans plusieurs pays et dans plusieurs langages, dans plusieurs langues différentes. Donc ça annonce pas mal de nouvelles choses. Concernant les langues, on ne sait pas encore. On ne sait pas s'il y aura du français, on ne sait pas s'il y aura de l'allemand, de l'espagnol, etc., etc. Pour le moment, comme vous l'avez vu, les langues prédéfinies qu'on aura, ça sera l'anglais et le japonais. Peut-être le coréen et le chinois, mais on ne sait pas encore. Enfin, les langues officialisées, ça reste, comme je vous l'ai dit, le français et le japonais. Qu'est-ce que j'ai dit? L'anglais et le japonais. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Pas le Discord global parce que. Enfin, en fait, là, je suis en train d'aider un peu tous les Discords. Vu que les autres YouTubeurs n'ont pas encore décidé de promouvoir le Discord FR. Donc, je suis en train. Je suis premier à le faire. Il y aura Fufu. Fufu. Comment il s'appelle? Susucre également. Donc voilà. Allez sur le Twitter de leur page. Le Twitter français. Le Discord et sur leur bio. Enfin sur la bio. Et il marche nickel. Donc soyez en masse. Arrivez en masse. Venez en masse. Je vais le répéter jusqu'à ce que vous veniez tous. Donc. Que vous venez tous plutôt. Et donc là pour le moment on est comme je vous ai dit plus ou moins 150, là on est 159, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Je vous invite tous à venir nous rejoindre pour les recrutements, pour les futures mises à jour, les futurs leaks, les dernières nouveautés qu'on aura concernant le jeu. Comme ça on agrandit la communauté française du jeu. Par la suite, on aura également le site, mais pour le moment, on se focalise sur le Discord. Petit à petit, on aura le site, on aura d'autres YouTubeurs qui nous aideront, donc ça sera pas mal. Donc, à part ça, c'est tout ce qu'on aura. Ah non, on va aller dans l'historique parce qu'il y a un autre truc important. C'est où?
On va aller dans l'historique directement. Alors. Ta, 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 ta. Non, c'est pas là. Donc. Elle est où la page? Alors, je cherche. Ça prend un peu de temps. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on ferme ça. Donc voilà, j'ai trouvé récemment ce petit site. Concernant la date qu'on voit sur l'App Store, c'est pas le 31 mars. Le 31 mars, c'est la date prédéfinie sur l'App Store. Il n'y a pas de date précise. Ils ont dit que le jeu serait disponible en hiver. On est encore en hiver. Il nous reste 20. Plus ou moins 20, 25 jours, plus ou moins 20, enfin moins de 25 jours avant la fin de l'hiver. Donc le jeu sortira en mars, comme ils l'ont précisé sur leur Facebook. Le jeu arrive très bientôt dans les trois pays US, Canada et Japon, iOS et Android. Là, il y aura une APK à l'avance, un ou deux jours à l'avance, voire une semaine à l'avance au grand maximum, si on a de la chance. Et il faudra peut-être utiliser un VPN pour y jouer. On ne sait pas encore. Je vous tiendrai au courant des dernières nouveautés. Au cas où il faudra utiliser un VPN ou pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Allez, ciao ciao. On se retrouve à très très bientôt. Pourquoi pas un live sur Shining Soldier, enfin Saint Seiya. On verra par la suite pour Naruto X Boruto Ninja Trips. Je vous tiens au courant la semaine prochaine. Ce week-end, c'est pas sûr qu'on ait une vidéo. Qu'on n'ait pas. Ce week-end, c'est pas sûr qu'on ait des news sur leur page officielle. Donc, je vous tiens au courant. Allez, ciao, ciao, tout le monde!